savez, c'est quelques jours que je me pose une question existentielle. Est-ce que la chance, ça devrait pas aux gens qui en ont le moins besoin en fait, et inversement. Vous savez, en fait, ça fait genre un truc comme 10 jours que je me fais boot, mais limite on stop, tu vois, genre j'ai aucune connexion. Et j'ai eu comme une révélation, tu vois, qui m'a dit « Rayfid, utilise ta 3G de ton téléphone !» Du coup, qu'est-ce que je fais? J'active la 3G de mon téléphone et je fais un partage de connexion sur ma Play. Et miracle, je peux jouer. Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, tu te doutes bien. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je voulais lancer une partie en ligne. Et là, c'était le drame. Une barre de connexion, je me téléporte partout, ça met 20 ans pour trouver une partie, bon... Tu vois, pas terrible, tu vois, pas terrible. Et on va dire, j'ai vraiment lancé une partie, tu vois, pendant une semaine et demie, parce que j'avais aucune connexion, tu vois. Et bon, j'arrive dans une partie, tout tranquille. Je reste 2 minutes, je vois que la connexion elle bug, je quitte. Et là, je vois que je suis niveau 1. Mais mon chat, il est dégoûté, il a miaulé, j'ai entendu. Pourquoi moi? Je comprends pas pourquoi le sort s'acharne sur moi. Regardez, voilà, niveau 1, tout nu à poil, y'a rien. Voilà, j'ai les emblèmes et tout, mais je suis niveau 1. Le mec, il m'a repassé niveau 1, je ne sais par quelle magie. Voilà, il m'a dérangé, l'enfoiré. Et d'écouter, bah, du coup, on va voir si la malchance continue. Hein, si peut-être cette malchance va se reproduire en lançant en ligne. Si je vais tomber dans des parties où ils sont tous viseurs fixes. Ou je vais peut-être même refaire boot. Ou. Pas pourquoi il arrive toujours des couilles ou même personne. Non, ça tombe, ça doit être la barbe en fait. Il m'arrive toujours des couilles, mais quand ma barbe elle pousse, c'est comme la crème avec ses cheveux. La crème, tu vois, tout allait super bien pour lui, tout quand il a les cheveux courts. Et dès qu'il a commencé à laisser pousser ses cheveux, il lui arrivait que des couilles. Il a fini en prison et tout le bordel. Et bah, moi, tu vois, c'est pareil avec la barbe en fait. Oh miracle, j'ai 4 barres de connexion. Ça va pas durer. Oula, 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 c'est quoi ça? Bon, je reste dans les herbes. En plus, j'ai pas le son du jeu, je suis grave perturbé, j'entends rien. Ah ouais, parce que aussi quand j'ai... Maintenant, comme j'ai pas de connexion chez moi, je suis toujours en train de trimballer ma console partout. Donc il faut que je débranche, que je rebranche tous les fils. Hein? Mais quand je rebranche et débranche tous les fils, ça fait que je dois reparamétrer à chaque fois ma console. Alors du coup, le peu que j'arrive à jouer, bah, je me retrouve avec une console qui ne fait aucun bruit. Voilà, c'est complètement silencieux. Ah, le malheur s'est reproduit. Attendez, mais c'est quoi ces enfoirés là? Mais attends, mais non, c'est mort. Je peux pas laisser passer ça. J'ai joué ma vie, mais je les aurais... Oh les battes! Tu vois, il y a pire que les campeurs. C'est les campeurs bien organisés. Parce que en plus de jouer comme des fumiers, ils sont intelligents. Attendez, mais non, non, c'est mort, faut pas laisser passer ça là. Faut que je fasse quelque chose. Je parie qu'ils campent encore à la fenêtre. Allez hop, toi, t'es mort. Putain, j'ai pas le son du jeu, j'ai pas entendu la bêtise. Oh, 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 ça y est, les bugs ils recommencent. Le sort s'acharne sur moi là. Le sort s'acharne sur moi. Allez, je fais le bâtard, je m'en. Il est où? Il y avait un campeur ici. Ah ouais, il est là-bas. Regardez le fourbe là-bas. Faut que je l'ai pas vu. Allez, bouge de là. Bon. On va s'asseoir parce que s'il y a des bêtises encore. Ah, le bâtard! Ça va m'énerver. Putain, il y en a un qui campe à la fenêtre, il y en a un qui campe dans le derrière au fusil à pompe. Et tu sais quoi? Je ferai du 0,22 ratio. Hein, je vais crever 20 fois pour 2 morts, pour 2 kills. Mais j'en ai rien à foutre. Du moment que je les aurais tués, j'aurais ma satisfaction, tu vois. J'aurais l'impression de m'être vengé du fils de pute qui arrête pas de me booter depuis une semaine. Ah, tiens, salopard, et je prends. Il m'a eu avec sa bitchy. Et je l'ai pas entendu la balancer. Attendez, attendez. Là, ça va pas, donc ce qu'on va faire, on va prendre un fusil à pompe comme lui. Voilà, déjà de une. Et je vais me jouer ma vie pour ce campeur. Je vais avoir des yeux que pour lui, là. Mon but dans cette partie sera de le tuer. Et de le faire chier. T'inquiète pas, pote, j'arrive avec un fusil à pompe, je vais faire comme toi, t'inquiète pas. Je vais mettre même l'insertion tactique. Quoi? Pour paraître plus près de l'action. Gardez-le moi ce fils de... Oh, je l'ai bien eu ce lâche. Je sais pas, il campe là-bas. Oh là là, mais ils sont à deux en train de camper, j'y crois pas. Attends, mais je vais faire comme eux, c'est ouf. Mais regardez-moi ces sales bâtards. Attends, mais je vais jouer ma vie, mais je vais me les faire. Hein.
Oh, mais c'est quoi ces fils de pute? Moi j'y crois pas, mais c'est quoi ces mecs? Ah mais regardez-moi ces... Oh là là, je vais péter un plomb. Je vais craquer. Tiens! Allez hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, il n'y a plus de campeurs, c'est fini. Sauf que moi je suis plus intelligent, regardez-moi. Ils vont passer là, regarde bien. Regardez, on va les attendre, on va camper les campeurs. Ça c'est une technique que j'ai inventée il y a quelques années. Regardez bien, ils vont revenir camper. Sauf que moi je suis dans un autre coin, donc ils vont pas s'y attendre. Et je vais me les faire. Regarde-moi ce con, là, il va passer. Et voilà. Oh le bâtard, mais non! Attendez, attendez, j'ai mis mon insertion, c'est pas fini. Ah, il y a une insertion tactique. Oh putain, je cherche un peu l'insertion tactique qui était dans le coin. Oh non, oh là 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 là, mais c'est quoi c'est... Oh, mais il y aura qu'une partie, hein. Il y aura qu'une partie. Moi je me casse. Oh là, regardez-le, regardez-le, il sait pas ce qu'il fait. Enfin, juste pour voir son stat, je prends ma révérence. Je me sauve. Je change. Je me sauve, j'arrête. Ça tombe, c'est un aboli, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, allez. Bon, écoutez, on se retrouve. Mais je comprends la tête. Tellement ça m'énervait, tu vois, j'inverse les mots maintenant. Écoutez, on se retrouve déjà. Est-ce que. Je sais même plus ce que je dois dire en fait. Tellement il m'a chamboulé. Bon, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Voilà, c'était Raifi, sortez couvert comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ah, ça y est, j'ai réussi à le dire. Attends, il m'a répondu. Attendez. On va mater vite fait la réponse qu'il m'a donnée avant. Si tu veux, mort de rire. Enculé. Un super guerrier.